Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a amené sur ce site. Et effectivement, tout est toujours parfait. Il n'y a pas de hasard. Alors, cette petite vidéo, c'est simplement pour venir présenter qu'est-ce que je fais exactement, d'où je viens. Et tout simplement, moi, je vais vous dire aujourd'hui ce que je ressens, c'est j'ai envie d'aider les gens vers l'éveil. Je les accompagne à vivre un éveil plus serein. Parce que tout simplement, c'est ce que j'aurais aimé avoir au moment où je me suis moi-même éveillée assez brutalement, tout simplement. Donc si vous êtes ici, c'est que vous vivez un grand changement, c'est que vous traversez des choses peut-être pas évidentes, peut-être que cette période un peu spéciale aussi vous invite à l'intérieur de vous, que vous cherchez les réponses à l'extérieur dans un premier temps pour voir un petit peu ce qui vous arrive, vous vous posez beaucoup plus de questions, vous cherchez peut-être le sens de votre vie, qui êtes-vous, votre mission de vie, quelle est votre raison d'être, c'est peut-être des choses qui résonnent en vous, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle et qui vous dit ouais, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour moi, mais je ne sais pas quoi et c'est tellement étrange. Malgré tout, vous êtes peut-être déjà dans un boulot qui paye bien les factures, mais qui aujourd'hui ne vous alimente, vous nourrit plus, on va dire ça comme ça, qui fait que vous sentez qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus, vos valeurs n'y sont plus non plus. Et le grand questionnement vient de commencer. C'est que vous êtes tout à fait au bon endroit, c'est prévu pour ça. Aujourd'hui, il y a une sorte d'éveil, de réveil, on va dire ça comme ça. Il y a une sorte vous sortez un peu de votre condition, de votre métro-boulot-dodo, ce qui fait que vous allez avoir envie d'aller chercher les réponses ailleurs, ou vous réveiller à autre chose, vous ne voyez plus la vie comme avant. Il y a même peut-être des choses qui aujourd'hui vous énervent dans la condition humaine, dans le sens de la vie, dans comment les gens réagissent, les injustices. Peut-être que l'écologie aussi, vous vous rendez compte que bah, la planète est pas mal polluée, qu'on peut peut-être changer les choses. Mais même au niveau de votre manière de consommer, vous commencez à manger peut-être moins de viande, hein, je vous demande pas d'être végétarien, moi je vous demande rien du tout, sachez-le, mais peut-être que vous avez des envies à moins manger de viande, que vous avez envie de manger plus local, un peu plus en conscience, peut-être que les animaux vous touchent plus, vous êtes beaucoup plus sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez peut-être une période de dépression même, vous avez vécu un burn-out, vous avez vécu une maladie, ou quelqu'un dont votre entourage est décédé. Oui, ce réveil est lié à quelque chose peut-être de brutal, un accident. Et là, maintenant, aujourd'hui, on vous demande clairement d'aller rechercher à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Est-ce que la vie qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est réellement la vie qu'on pense vivre? Est-ce que c'est réellement ça qu'on est venu expérimenter, ou si aujourd'hui il y a quelque chose d'autre qui vous appelle? Donc, si vous êtes ici, c'est que justement vous cherchez toutes ces réponses qui sont à l'intérieur de vous. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je ne vous promets pas de trouver toutes les réponses, que je ne vais pas vous les donner, mais je vais vous donner le mode d'emploi pour aller les chercher à l'intérieur de vous à travers différents outils. Et c'est vrai que moi, je suis un peu plus au niveau du chamanisme parce que c'est tellement simple. Le chamanisme, c'est la nature, c'est observer la nature, c'est la contemplation, la beauté, le respect, le bon sens, le discernement, la sagesse, tellement de choses que j'aime. Et que je m'emploie le plus à travailler aujourd'hui pour le mieux l'incarner. Donc voilà, donc si vous vous sentez concerné, c'est que vous êtes au bon endroit. Moi, je vous invite à aller lire sur le blog C'est quoi l'éveil? Allez voir un peu, cliquez, et si vous voulez, vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, sur la Tanière du Chaman, qui est un groupe privé. Je vous invite bien sûr dans cette communauté bienveillante. Et si vous le désirez, il y a aussi un autre groupe payant à ce moment-là. Là, je vous invite dans mon abonnement Chaman Explore qui va venir travailler chaque semaine pendant un an votre part endormie à travers différents outils. On va se réveiller en conscience et surtout dans une tribu bienveillante. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.